L'Amazonie. La plus grande forêt du monde était une mine de connaissances que je voulais combler. Mais comment survivre dans cette jungle que je connaissais que théoriquement? Étant déterminé à apprendre de la jungle, j'ai décidé de me lancer seul dans une toute nouvelle expédition en Guyane française. Je partais de zéro, mais j'étais prêt mentalement à me confronter à ce biotope avec des températures qui oscillent entre 30 et 40 degrés pour plus de 95% d'humidité. L'objectif est de faire, en packraft, la traversée du lac de Petit Sault jusqu'au saut Takari et remonter le Haut-Sinamari sur un total de 120 km. Pour ensuite traverser la jungle à pied sur 25 km et redescendre la Comté pour rejoindre la première grande ville, Cacao, 50 km plus loin. Contrairement à mes anciennes expéditions, j'ai décidé de partir seul et me filmer seul. La vraie expédition en solitaire qui me permet de vous retranscrire quelque chose de vrai et d'authentique. Enfin, pas vraiment seul. Je serai entouré d'une faune merveilleuse et luxuriante, mais croyez-moi, c'est loin d'être le plus difficile à gérer. Mais ça, vous allez le découvrir dans cette série de vidéos. Je vous emmène en immersion avec moi dans cette aventure qui a complètement changé ma vie. La semaine dernière, je vous partageais la première partie de mon expédition, la traversée du lac de Petit Sault. Je vous ai laissé à la fin du jour 3 au saut Takari, le premier rapide de la remontée du fleuve. Donc c'est parti pour la suite de l'expédition. Bon, bah jour 4, réveil un peu dur là, franchement. Mais surtout qu'il y a une grosse décision à prendre, c'est ce putain de panneau solaire. Il ne fonctionne plus, j'ai tout fait, je l'ai démonté, j'ai mis du riz dedans, j'ai tout fait, rien... Rien ne marche. Je suis grave deg, c'est vraiment un choix de matériel que j'ai merdé. Du coup, je le laisse ici vu que je suis sûr à 100% que des gens viennent ici et tout, donc ils pourront l'enlever. Un vrai plaisir d'avoir pu trouver ce petit coin de paradis après 3 jours. Mais je quitte donc vraiment la civilisation à partir de ce point. Je n'avais jamais remonté de rivière avant cet instant précis. Je sais que ça va être compliqué. Mais maintenant j'y suis, donc tout droit, direction la rive droite pour traverser le saut Takari. Bon, nous voilà au portage. Là, faut porter les pirogues et tout normalement. Mais là, on va juste porter le sac à dos, revenir et aller chercher le packraft. Allez, let's go. À chaque saut, je vais devoir trouver un moyen de contourner par la forêt. Celui-ci ressemble vraiment à une autoroute. C'est facile, ça fait plaisir. Mais je sais, et vous vous en doutez, que les prochains seront bien différents. Mais avant d'arriver au prochain, comme pour les 3 derniers jours, la priorité, c'est d'avancer, c'est de ramer. Allez, on avance. Maintenant, tâchons de ne pas se faire emporter par le courant. Allez, let's go. Takari, tu es derrière moi maintenant. Restons bien sur le bord quand même. Et maintenant, on peut avancer. Pas facile. Tout ça pour passer un caillou. J'ai oublié d'avancer en me tenant aux lianes là. Parce qu'il y a trop de courant. Je peux pas avec la rame. Je sais pas si vous entendez. On entend le sodal. Donc c'est un autre rapide. Bon, j'arrive à me tenir à des branches pour me faire des pauses, mais c'est dur. Ça va être très long d'arriver à des roros. Qu'est-ce que c'est ça? Putain. Je vois une fourmi. Allez, c'est parti. Je suis sur un rocher. Avec mon raft là. Je sais pas comment je vais passer. Je vous le dis, j'en ai aucune idée. Mais du coup, je vais taper un tout droit là. Regardez. Je vais mettre le bateau là. Je vais speeder là-bas pour voir si ça passe. En l'espérant. De toute façon, il n'y a pas de raison. Et en fait, le fleuve, il est 200 mètres tout droit là-bas. Donc je vais marcher dans la forêt. Revenir, dégonfler mon bateau, l'amener de l'autre côté. Et on va avancer. Allez, let's go.
Après l'expédition, j'ai découvert que Sodal était le prochain saut. Celui-ci n'était pas sur ma carte. Première fois que je fais décoller le drone de la journée, et je me rends vraiment compte à ce moment-là de l'immensité de la forêt, de l'immensité qui est devant moi, avec cette veine qui la traverse. Mais c'est pas le moment de bronzer sur mon rocher. J'enchaîne par un move un peu chaud. Je sais pas si j'aurais pu faire plus safe. Bon bah voyons voir si ça marche maintenant. Hein. Va falloir être intelligent. Ok. C'est un peu chaud ce que j'ai fait. Mais ça a l'air d'avoir à peu près marché. Je suis pas du tout stable. Allez. Oh. Ok. On va se mettre entre les deux là. Eh ben c'était pas prêt pour ça. Hein. On y va. Là. On n'a plus qu'à aller chercher le bateau et à faire pareil. Allez! Le roller gonflé. J'ai plus d'eau. Il va falloir que je filtre là. Ah, c'est dur là. Franchement, ces obstacles, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Après le lac de Petit Sault, normalement, l'eau était sans mercure. Je la filtrais quand même par un filtre antibactéries, protozoaire et autres agents pathogènes. Ce filtre a plus voyagé que moi. Il a déjà fait le tour du monde à vélo sur 28 000 km avec mon père. Donc c'est cool qu'il soit avec moi, je lui fais voir encore un peu plus de pays. Allez, on est reparti. Hein. Mais ça commence bien. Allez. Voilà. On a réussi à passer le passage. Ça a pris 1h30. J'ai cette putain de guêpe qui me suit depuis 1 heure là. J'hésite à lâcher carte, mais si je la loupe, elle va me défoncer. Des fois, elle tourne autour de ma tête, c'est un peu violent. Genre là. Voilà, comme ça. Écoutez, on va la laisser vivre, hein. On cohabite ici. Hein. J'ai loupé. Mais elle est partie du coup, pour l'instant. Ce qui est bien avec la technique des arbres, c'est que ça m'aide à avancer. Mais je me prends toutes les bestioles sur la gueule. Tout à l'heure, j'avais une chenille là. J'ai viens d'enlever une grosse araignée. Là, j'étais en mode, oh, dégage. Plus l'araignée, elle flotte, genre, elle marche sur l'eau. Il y a plein de bêtes, c'est le démon ici. Au-delà de la difficulté à ramer comme un débile là. On n'est pas dans l'endroit le plus facile de la Terre. Bon, le camp numéro 4 est fait. Hop là, il est hyper stylé. C'est bon, je me suis équipé du chapeau fork là. Tellement il y a de moustiques parce qu'en fait, j'avais pas fait attention et je pouvais pas vraiment le savoir. Mais regardez, j'ai juste là, petit marécage. Donc voilà, le camp est hyper stylé, mais il y a tellement de moustiques. Donc, je vais me laver et je vais filtrer de l'eau. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer les deux. Let's go. J'ai absolument pas pied. Se doucher dans la jungle, c'est ultra important. Chaque jour, faut bien vérifier et frotter chaque plaie, vérifier qu'il n'y ait pas de parasites ou d'infections. Ça permet aussi d'enlever les tiques. Une dizaine par jour sont généralement cachés quelque part. Par chance, ils sont soit énormes et douloureux, donc facilement repérables, ou tout petits, mais cela ne reste pas accroché comme en Europe. Donc tu frottes à peine et ils s'en vont. Et pour se doucher, tu as deux options. Soit tu te laves à l'argile, soit un bon vieux savon de Marseille à l'huile d'olive fait l'affaire. Ouh, voilà comment on se douche. Je sais pas s'il y en a qui savent, mais c'est mon seul repas là. Donc c'est de la farine de manioc et du poisson. Je me défonce toute la journée, je brûle des calories à balle, mais genre j'ai pas faim. Genre je me force à bouffer. Peut-être la jungle qui fait ça, je ne sais pas. Ah oui, et bilan de cette journée, tellement dur, mais tellement dur. Si c'est comme ça pendant jusqu'à 2 euros, ça va être. C'est déjà une XP alors qu'il y aura que la moitié de fait. Première nuit sous la pluie. La bâche a l'air de bien marcher au final. Il y a une méga guêpe là. Je sais pas si vous la voyez. Ça donne pas envie de se faire mordre ni de se faire piquer là. Du coup je suis un peu planqué.
coup, je vais couper la light. À toute bonne nuit. Au matin du cinquième jour, voilà le Sodal. Et il a un débit d'eau extrêmement impressionnant. C'était vraiment la journée des galères. La journée qui te fait vraiment te donner à 4000%. Ça va être la merde là, non? Bon, du coup, on voit le courant. Hein. Je vais revenir là, il y avait une petite crique à gauche. Genre, je vais revenir de 50 mètres, je vais à gauche. Et on va traverser dans la forêt. Pas le choix de toute façon. Allez. Let's go. Hop, comme ça, comme d'hab, on met le sac. Et on va passer par là parce qu'il y a l'air d'avoir un escalier. Ce qui peut ressembler à un escalier. Ce qui est bien, c'est que la forêt est assez ouverte. J'aurais peut-être même pas besoin de plier le packraft. Hop là. Au final, on gagne un peu de temps comme ça. Même beaucoup de temps. Faut juste regarder où on met les pieds. Alors oui, on gagne pas forcément du temps, mais on gagne en amusement. Ramer 10 heures sans s'arrêter, c'est vite chiant. Donc même si faire des portages en forêt c'est galère et fatigant, ça a le mérite de changer mon quotidien. Et pour garder le moral, c'est important de ne pas toujours faire la même tâche. Après ce portage, c'est l'enchaînement des galères. J'avais vraiment l'impression qu'on voulait pas que je remonte cette rivière. Oh, c'est dur. Alors, comment qu'on fait? Merde. On va réessayer ça. J'arrive pas. What the fuck? Tout ça pour un petit passage de merde. Oh, les obstacles à la con! Allez! Ok, donc j'ai passé ça. Là, je vais couper à la machette à celui-là. Et on va passer. Faut que je sois bien mieux calé. Enculé. Oh. On va le couper à la souche. Je suis fait pour faire 3 putains de mètres. Quel cinquième jour, hein. Quel cinquième jour. Fatigant. Allez, je commence à reculer. Il va falloir que je reprenne la route. Regardez-moi cette jungle. J'ai trouvé un petit banc de sable. Pour manger tranquillement et filtrer de l'eau surtout parce que j'ai plus d'eau. Vous avez loupé un truc là. Mon bateau il s'est renversé à moitié et il est rempli d'eau. Là j'arrive pas à passer et il n'y a pas moyen de passer donc je vais attendez, je sécurise ça, je vais traverser. On traverse. Allez, on part sur la dernière galère de la journée avant le camp. 30 minutes pour faire 200 mètres. J'étais vraiment au bout de ma vie. Oh, comment je recule. Eh ben... Oh. Putain, tout ça pour passer 30 mètres, je vais mettre une heure, quoi. Pas pressé, de toute façon, le but c'est d'avancer. Je l'aurais oublié dans 10 minutes. Enfin, ou 30.
1, 2, 3. Allez! Oui! Oui! Allez! Il y a un autre arbre pour faire une pause. Ici. Mais le principal, c'est qu'après tant d'obstacles, j'ai quand même réussi à progresser. 9 km en 9 heures. Une sacrée journée. Y'a pas vraiment homme de caverne là ? Je suis éclaté en vrai. Je rigole mais je suis mort. Bilan jour 5. Je suis mort. Je crois que je dis ça à chaque bilan. Mais là vraiment j'ai eu du mal à monter le camp. J'ai vraiment beaucoup forcé aujourd'hui. Mais ça avance. C'est le principal. Je fais 9 km mais ressenti 30, voire 35. J'ai mal au dos, etc. Par contre, ce qui est trop bien, avantage, c'est qu'en hamac, tu dors trop bien, ça te repose le dos. Voilà, ça commence à être dur. Hein. Allez, il va pleuvoir en plus, on entend l'orage. Ah bref, on va encore passer une bonne nuit. Que dire de ce jour 6? Mon préféré de loin sur le Sinnamary. Il zigzague dans tous les sens aujourd'hui. Du coup, j'ai décidé de couper en bateau dans la forêt dès que possible. C'est ludique, ça donne moins l'impression d'être sur un tapis roulant. Je galérais peut-être plus ou moins que la rivière, mais au moins, je m'amusais. Je commençais à me sentir chez moi. C'est devenu mon terrain de jeu. Allez, on le tente. Je vois de la lumière de l'autre côté. C'est que ça doit passer. Oh ouais, je suis sûr que ça passe. Ok. Allez. Pourquoi tu passes pas? Allez. Voilà. Allez. Ok. Trop content, ça nous a fait gagner un temps de ouf. Ah, il faut continuer maintenant. C'est pas fini. J'ai fait un choix un peu bizarre en termes de stratégie là. Oui, ici. Ok. J'ai vraiment accueilli la faune et la flore sur mon bateau quoi. Viens là toi. Ah franchement, Sinnamary, une belle bête. Il y a un truc qui fait des bulles chelou là. Vous voulez proposer un animal en commentaire? Parce que clairement, aucune idée de ce qui faisait des bulles en dessous de moi. Je sais pas ce que c'est, mais je m'en vais.
Il pleut de ouf. On va couper un peu par la forêt là, ça va me faire du bien, ça va me protéger de cette averse. Je profite de ce beau paysage sans me rendre compte que je suis officiellement à cet endroit précis, à mon 100e kilomètre. C'est la moitié théorique de mon expédition. Et j'ai totalement l'impression d'être sur une autre planète. C'est grandiose. Hop là, là il y a de la terre. On va faire le reste à pied. Hop là. Allez, ça nous a fait gagner 1,5 km ça. Vous imaginez ? 1,5 km, c'est énorme. Si vous voyez la boucle là, c'est un peu moins de 2,5 km. En vrai, je suis le boss, meilleure idée. Alors attends, par contre, meilleure idée, là il y a une mise à l'eau parfaite. Regardez-moi ça, comme à la maison. Bon, bah nous voilà repartis. Plutôt smart comme move en vrai. En plus, ça m'a permis de vider le bateau. Ah, j'aime bien quand des fois il y a des choses qui se passent comme ça. J'ai eu un peu peur, il y avait pas mal de pics, mais genre des pics comme aigle. Mais le bateau est ultra résistant visiblement. Allez, on continue. Et en plus l'averse était... c'est terminé. Parfait, best move. Bon, bah voilà, le jour 6 c'est terminé. Vous avez vu, il commence à pleuvoir. Je dors juste à côté de l'eau. On va peut-être voir des caïmans cette nuit. Demain, si on a de la chance, on arrive à Deroro, enfin juste avant, où j'avais prévu de m'arrêter. Et ça, c'est plutôt cool parce que bah, ça veut dire qu'on va attaquer la forêt. Et franchement, j'ai tellement hâte d'arrêter la pagaie. On en reparle tout à l'heure, ou voire plus tard dans la vidéo, quand j'en aurai marre de marcher en forêt. Par contre, vraiment trop bien, c'est le fait qu'il pleuve. Moi, j'adore ça, ça me permet de remplir ma gourde. Franchement, c'est le feu. Ça se remplit à fond et j'ai pas besoin de filtrer l'eau. Ça c'est trop bien. Et je vous assure, quand t'as pas besoin de filtrer l'eau, c'est le meilleur moment de ta vie. Règle à savoir, ne jamais dormir si proche de l'eau. J'ai passé la pire nuit. Le bruit de l'eau me donnait l'impression de tourner dans mon hamac, comme si je dérivais. J'entendais les caïmans chasser du poisson, des gros claquements de dents toutes les 20 secondes. Un brouhaha incessant qui laisse vraiment place aux pires imaginations. Mais c'est le dernier jour de pagaie. Le dernier jour avant l'enfer vert. Début du jour 7, franchement le matin, à côté de l'eau, pire idée, il y a tellement de moustiques. En plus, je suis en short, mais j'ai tellement pas envie de remettre le pantalon mouillé là. Mais il va falloir, allez, normalement, dernier jour de pagaie avant un petit moment. Déter, très déter. C'est une des grandes étapes du coup de l'expédition. La fin de la remontée du Sinnamary. Même tenir la GoPro, là, ça me détruit les bras tellement j'en ai plus. J'ai hâte d'utiliser mes jambes. Un des pires moments de la journée, c'est quand on doit remettre les affaires mouillées de la veille. Et je vous avoue que là... Déjà, il faut vérifier, oui, j'avais oublié, parce que je filme, donc j'oublie les principes, les trucs principaux. Qu'il n'y ait pas de bêtes à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de scolopendres, qu'il n'y ait pas de merde, parce qu'elles adorent ça. Et là, c'est pas grave du tout. Mais le pire, c'est pas ça, c'est le pantalon, ouais. Mes jambes sont bien sèches là. Ça c'est fait. Hop, hop. Me revoilà mouillé. Sardine au citron dès le matin. Nem ou quoi? Avec du couac bien sûr. J'en peux plus du couac. J'en peux plus. Depuis le début, donc ça fait une semaine. J'ai apprécié aucun repas. Je mange uniquement parce qu'il me faut des forces. C'est horrible. En plus, j'ai même pas faim. C'est surtout que j'ai pas mangé un seul repas chaud depuis 7 jours. J'ai hâte de faire la traversée parce que j'ai prévu des lyophilisés. Et là, je vais faire du feu. Ou j'ai un réchaud de secours si vraiment tout est trempé. Oh, ça va me redonner le genre... Je sais pas, ça va... C'est comme le petit carré de chocolat genre que t'attends, tu vois. Là, j'en ai pas, mais...
Qu'est-ce que j'ai hâte. Mais là, il va falloir pagayer pour y arriver à ça. Fallait que ça arrive à un moment. Faute d'inattention et de fatigue, je fonce à pleine vitesse dans des ronces. Et je perce mon packraft. En 3 minutes, je le répare. J'avais bien tout prévu. Mais comme quoi, tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est l'heure de la réparation. C'est par précaution parce que j'ai pas l'impression que ça fuit. Mais j'ai pas encore enlevé l'aiguille. Je suis sur un tronc. C'est pas le mieux. Mais on fait avec. Donc regardez là. C'est une épine. Bien plantée. Bon bah voilà. On va dire que c'est réparé. Faut que je check un peu de temps en temps. Et maintenant, je rame jusqu'à la fin. Ah, je me suis projeté quoi, je peux rien faire. Et dégage la guêpe là. Que des moments comme ça, cette putain de remontée. Ouais. Genre. Je peux même pas m'arrêter pour vous parler. Les coups de soleil me font des cloques là. C'est pas joli à voir. Pareil pour les ampoules. J'ai des trucs dégueux, mais bon. On fait avec. C'est mon dernier kilomètre là, avant de poser le camp et d'attaquer la jungle demain. C'est enfin là. Mais cette journée elle est longue hein, et elle est dure. Hein. Vous imaginez le nombre de kilos que j'enlève là de mon packraft là ? Ça fait 500 millilitres. Donc là je l'ai enlevé déjà 3 litres. Eh ouais, on s'amuse hein. Putain la jungle, je sais pas ce que ça va donner mais ça va être dur hein. Ça va être très dur. Mais bulldozer hein. Dernier virage avant de voir l'objectif. Oui, c'est un long virage ça. Et derrière ce long virage se cache la fin de la remontée du haut Sinnamary. Je découvre, vu du ciel, un S assez symbolique vu le nom du fleuve. Quand je pense à tout ce que j'ai donné pour arriver ici, un sentiment de joie et d'accomplissement. Mais faut pas se réjouir trop vite, quand je relève le drone, c'est un peu la douche froide. Une forêt à perte de vue, des collines à l'infini que je vais devoir traverser tout droit à la boussole. Vu du ciel, elle semble si calme, si paisible. Mais vu de dessous, c'est vraiment une autre histoire, un autre monde. Et voilà, on est arrivé. Et j'aurais pas pu rêver mieux, il y a une petite crique à gauche là. Et ça va nous permettre de rentrer un peu dans la forêt. Allez, on a fini la pagaie. Oh. Incroyable. Je suis dead. Ah. Bon, on va se faufiler un peu derrière là pour voir ce qui se passe. Et essayer de se faire un petit campement cool. Parce qu'il y a pas mal de choses à préparer pour demain. Et hop là, on va faire son campement par ici. Hein. Bon les gens, c'est bon. C'est le campement dernier avant la jungle. Enfin, c'est pas le dernier campement, mais vous m'avez compris. Donc là, beaucoup de choses à faire. Je vais vider tout mon sac, réorganiser tout ça. Je vais vous expliquer tout ça. C'est l'heure de plier mon embarcation. Voici sa vraie utilité. Pouvoir la transporter et la réutiliser plus tard. Je récupère à l'intérieur les lyophilisés et les barres pour la jungle. Parce que oui, cette embarcation peut transporter à l'intérieur des objets et du contenant. C'est incroyable. Je réordonne tout mon sac pour la forêt. C'était donc mon programme du 7e jour pour fêter ma première semaine d'expédition.
Et voilà. Il va falloir le plier. J'en profite pour vous dire vraiment de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de la partager. Parce que là, on arrive enfin vraiment dans le vif du sujet, la dernière partie. Et là, vraiment, on change tout de suite de difficulté. Et voilà. Allez. Oh, je vous jure, le premier repas chaud. Là, je revis. Après petite douche et au lit. Et demain, fat journée. Hop, je sors de ma douche, faut vraiment que je vous montre un truc, c'est dégueulasse. Ça se trouve, ce sera pas dans la vidéo, mais ce sera sur Twitch, du coup. En fait, avec les coups de soleil, j'ai des peaux mortes, vous voyez, c'est dégueu. En fait, quand tu prends une peau morte comme ça, ah, ça fait mal avec les poils. Hop là. Et tu l'envoies dans l'eau. Hop, c'est bouffé instantanément par un poisson. Ou par quelque chose d'autre. Genre, je me suis lavé ici et on a essayé de me bouffer la jambe, quoi. C'était un peu comme les bains où les poissons te bouffent les peaux mortes. Justement. Oh. Je vais essayer d'aller voir. Putain, un sacré boucan. Ouais. Oh, c'est un singe. Un singe araignée. Oh. Il est trop. Vous voyez le truc noir? C'est un singe. Je pense qu'il va gueuler toute la nuit. Bon bah écoutez, on va se laisser sur cette réussite de la rivière, sur ces 7 jours, cette première semaine fêtée, on peut la fêter par un repas chaud. Et j'espère qu'il va pas gueuler toute la nuit notre copain le singe, mais il est trop mignon. Je dirais peut-être pas ça à 2h du matin. Allez, bonne nuit tout le monde, demain, forêt.